Bonjour l'équipe, c'est votre coach Ancien Catoni. On se retrouve aujourd'hui pour la semaine 3 avec la séance 3 du challenge le mois abdominal 2. Pour cette nouvelle semaine, on commence à augmenter le niveau, les choses sérieuses commencent. Cette semaine, on va commencer à rajouter des charges additionnelles. Donc que vous soyez à la maison ou en salle de sport, prenez l'objet adapté. Donc vous pouvez prendre un sac à dos que vous remplissez. Vous pouvez prendre, si vous avez des objets à la maison, prenez une haltère, un kettlebell ou un disque de poids. En salle de sport, en principe, ça ne devrait pas manquer. Donc moi, je vais faire un kettlebell. Donc moi, je vais le faire avec le kettlebell. Et ça va être le mouvement des petits cailloux ou Russian Twist. Pour cette séance, on va travailler en méthode 20-15-9. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée en crossfit et cross-training. C'est un peu pyramidal, c'est-à-dire qu'il va falloir faire toutes les répétitions. 21, 15, 9, c'est le nombre de répétitions que vous devez faire de tous les mouvements. Pour cette séance, on va travailler sur trois mouvements. Donc, il va y avoir le portefeuille, ensuite les L-sit-up et les Russian Twist petits cailloux. On va devoir faire 21 répétitions, deux portefeuilles, deux L-sit-up et deux Russian Twist. Ensuite, on enchaîne directement 15, 15, 15. Après, on enchaîne 9, 9, 9. Ça pique un peu, mais on travaille bien. Et ça, en même temps, ça allie du cardio, du renforcement musculaire. C'est une sorte un peu d'endurance musculaire. Comme d'habitude, on respecte les standards des mouvements. Si vous avez des problèmes avec certains mouvements, n'hésitez pas à aller voir la vidéo tutoriel des mouvements de la semaine 3. En principe, c'est les mêmes mouvements de la semaine 1 et 2. Vous devez les maîtriser. Dans le doute, allez vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. C'est parti pour le premier tour. Ça va consister à faire 21 répétitions, portefeuille, sit-up, Russian Twist. Et on enchaîne directement ensuite les 15 et les 9. Vous êtes prêts? On y va. Portefeuille. On enchaîne tout de suite les L sit-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On passe au Russian Twist. Prenez votre objet, prenez votre charge, votre poids, haltère, ce que vous voulez. Et on est parti pour 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Fin du premier tour, on attaque le tour des 15. C'est reparti. Autour des L-sit-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Les petits cailloux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. On attaque le tour des neuf. C'est bientôt fini. Exercice là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est tout petit, mais t'as l'impression que t'en fais. C'est que 9, hein, mais t'as l'impression que t'en fais 40. Elle sit up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Petit caillou. Voilà, on a fini le 21-15-9. C'est très simple, c'est très efficace, les exercices sont bien choisis, vous devez le ressentir. Ça, dans les prochaines semaines, préparez-vous déjà, on va faire 21-15-9, 9-15-21. D'accord? Juste pour vous préparer. Là, on va partir sur un deuxième entraînement, on va faire du gainage stato-dynamique. Donc stato pour statique et dynamique parce qu'on va être en mouvement. C'est un exercice très simple, mais qui très efficace, qui picote bien. On y va tout de suite. Et comme on travaille la sangle abdominale et qu'il ne faut pas beaucoup de repos, parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud, on repart tout de suite. Si vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de souffler, mettez pause, une minute maximum. Dès que ça va mieux, vous reprenez la lecture. Et pour ceux qui sont chauds, ben on y va tout de suite. Alors, pour cet exercice, on va partir de la position qu'on connaît, que vous commencez à maîtriser, que certains maîtrisent déjà, c'est la position portefeuille ou du holo. Vous allez voir ça après. Il peut que cette semaine, il y ait une séance bonus. Ceux qui ont déjà suivi le mois abdominal, vous savez toujours que je mets une séance bonus. Il se peut qu'une séance bonus ait du gainage, beaucoup de gainage. Donc la position, c'est la position du portefeuille ou la position du holo. Je vous montre. On est allongé sur le dos, comme ceci. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est la base, tout se passe au niveau de la sangle abdominale. Donc là, ce qu'il faut faire, il ne faut pas que le dos soit cambré. Il faut plutôt que le dos soit à plat. Donc on rentre le ventre. D'accord? On rentre le ventre, on décolle légèrement les épaules. Pour ne pas avoir mal au cervical, à la nuque, ce qu'on fait, on colle le menton. Si vraiment ça ne marche pas, on met sa main au niveau de sa nuque. Et vraiment, tu colles le menton à la poitrine, ça va beaucoup mieux. On va sortir une jambe. D'accord? La jambe droite, je vais la mettre comme ceci, 90 degrés. Les deux mains derrière. Et là, le but, ça va être de venir chercher. 1, 2, tape. Et on tape dans les mains en gardant une jambe en l'air. Dès qu'on a fini, on fait l'autre. La pointe des pieds, elle est en pointe. Pas comme ceci, là. D'accord? Ça engage directement le fessier. La pointe des pieds vers le ciel, c'est là directement. Tout le corps, il est engagé en position de course ou position d'attaque. D'accord? Donc, on va partir pour en faire 10. 10 de chaque côté. Attention, ça picote. Donc souffle bien. On part dans 3, 2, 1. On se met en position. Et c'est parti. On lève les jambes. Deuxième jambe levée. Pointe des pieds. On attend vers l'arrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. En position, bâton qui va à l'arrière, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'était le petit exercice bonus de la séance 3. J'espère qu'il vous aura bien piqué, qu'il vous aura bien plu. Comme d'habitude, si ce n'est pas fait, on s'abonne à la chaîne, on met un pouce bleu, on active la notification, on laisse ses impressions en commentaire. Et comme d'habitude, hein, travail, rigueur, discipline. Pas de soucis.